Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. On rejoint notre petite familia Rose, génération Rose. Et bien sûr tout le monde dans le chat vous dit bonjour, donc ils sont bien gentils. Et écoutez, je ne sais plus ce qu'on est... Ah oui, 3h du matin. Bon bah je pense qu'il doit dormir lui aussi. Et puis... Ah non ! Oh, il y a le... Oh... Oh, rêve de rongeur, excusez-moi, je... Parce qu'on a... Ah oui, c'est vrai que lui, il est dans le salon. Pour empêcher qu'il emmerde ses sœurs. Ah ! Bon allez toi, Jacqueline, viens t'occuper de ton fils un peu. Comment elle s'appelle déjà ? Marina. Oh, je suis complètement paumée là. Ça fait qu'une semaine, hein, mais... C'est bon ? Eh ben, tu peux être couchée maintenant, ton fils est satisfait. Tu peux aller dormir. Finir ta nuit. Bon, ça va, c'est dimanche. Tu peux faire la grasse mat. Nous avons Dahlia, la première née, ainsi que Melba. Voilà, qui sont les petites... Oh, c'est crade. Les petites de la génération pêche. Et grandissent quand? Ah, Dahlia va devenir enfant aujourd'hui. Allez, une gamine en moins relou. Frère ira à l'école, ça nous fera des vacances. Vraiment, ce sera très très bien. Ah oui, mais dis donc, toi, c'est vrai que j'avais oublié que... Ouais. T'es libre ce soir, Chamallow? Que je te mastique le haricot? Pardon. C'est parce que Chamallow, voilà, c'est... Non, ça marche pas? Allez, va te prendre une douche, tiens. Ça va te calmer les ardeurs. Oui, ça va aller, hein. Oh, regardez ce beau portrait, là. Oh là là, qu'il est beau le Chamallow. Ah, vas-y, t'as pas de nichon, donc faudra que tu donnes du biberon. Hein. À Toya. L'enfant pas aimé. Mais si, ça va. En fait, là, je vais éviter d'en faire un quatrième, parce qu'en général, c'est le numéro 4 qui est moins aimé. Je sais pas pourquoi. C'est au bout du 3, j'en ai marre. Donc en fait, quatrième, dès qu'il se met à hurler, j'ai un ras-le-bol. C'est cyclique, hein, les Sims, c'est avec les enfants. Bah oui, sexy, Chamallow, attendez. Il fait tout pour, hein. Alors, il faut qu'il publie 10 livres et écrire 5 livres excellents. T'avais pas encore des livres... Si. Oh, mais oui, la comtesse a sauvé la merguez. Un best-seller, évidemment. Oh. Allez, viens, publier ton bouquin, là. Parce qu'on doit faire son aspiration et toujours compléter ses compétences, écriture et bien-être. Oula, je suis complètement... Le rose, c'est mon rose. C'est une qualité excellente, mais triste. Ouais, mon biquet. Voilà, célébrité, une étoile incroyable du Hushlu. Et le P foireux, évidemment, il est excellent et joueur. Voilà, ça c'est des titres que bien sûr le chat m'avait donné, évidemment. Et ben, ils vont pouvoir en redonner un puisqu'on va réécrire un livre. Ah non, on en avait déjà un, Roger le hamster astronaute, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, on faisait une biographie de notre hamster qui d'ailleurs est complètement crade. Agent 21, cucu tout le monde. Il va falloir qu'on nettoie les cages parce que là, ça pue la mort. Alors que, comment il s'appelle déjà, c'est Merguez. La Merguez s'éclate toujours dans son sable fin. Et coucou Paulinette, comment vas-tu? Beau morceau de Chamallow. Ah, t'inquiète que lui, il les bouffe pas, hein, les Chamallows. Hein, parce que vu les tablettes qu'il a, c'est le yoga, hein, qui fait ça. C'est le yoga, ça fait plaisir. Bon, Marina, tu te dépêches de dormir? Ouais, vas-y, à 9h, tu te lèves, wesh. Tu crois quoi? T'es pas à l'hôtel, ici? Je suis horrible. Oh, ça va! On peut pas être un peu sexiste, non? Moi, je rigole, hein. C'est que des Sims, hein. C'est parce qu'en fait, mon héritier étant Chamallow, je m'occupe que c'est lui ma priorité. Son compagnon, sa compagne, c'est accessoire. Je m'intéresse qu'à mon héritier, normal. Magnifique, et Tita. Ah oui, bah c'est vous. Bah, ça voit bien, Paulinette.
Ça, elle est debout, elle pourra s'occuper des morts pack. Qui que ouais, y en a une qui va avoir faim et puis bah quand tu voudras, tu pourras nettoyer parce que là t'as Merguez et Roger qui pute du cul. Bah quoi que Merguez, Merguez vit sa vie. Et quand tu commences à avoir un œil vitreux là, non? Ah non, tu fermais l'œil, pardon. Tiens, regarde, on va changer. A fini le caca. Ah, c'est tout propre. C'est mieux. Et Roger... Roger n'est pas là. Où es-tu, Roger? Vas-y, tu vas jouer avec les deux, hein. Eh, Roger, il m'inquiète, il est pas là. Il est où? Ah! Il est en train de dormir. On dirait qu'il est crevé dans son truc, là, au fond. Roger est quand même... Quand même là. Alors, marché aux puces, on s'en fout. Festival des enfants, on n'est pas pédophile. C'est bon, on n'ira pas. Ouais, non, là, il n'y a pas eu trop de cuisine. Bon, t'en es où de ton bouquin, toi? T'en es qu'à la moitié? Bon, on accélère un petit peu. Parce que là... On est à 2 livres excellents sur 5 et à 3 livres publiés sur 10. Bien sûr, on en a publié avant. Hein. Mais c'est pas grave. Là, les morphales. Et après, il en restera encore terminer 3 best-sellers. Avoir gagné 25 000 simples. Oui, Dahlia a faim. Bah, Dahlia, elle va bouffer ce qu'on lui donnera. Hein. Puis c'est tout. Hein. Arrête de piquer ta crise, toi! Oh, punaise, elle a foutu le bordel. Oh, les gosses. Faites des gosses qui disent dans la vie. Viens, viens manger. Elle, bah... Bon, y a plus rien à bouffer. Ah, le petit garçon. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, t'as l'autre qui chie à chier là-bas. Vas-y, va. Après, tu nettoieras ça. Que tes gosses, ils ont fait. Tu puerais pas un peu du cul, toi? Ah oui, alors c'est la petite Melba hein, qu'on a relookée. Voilà, elle est devenue orange. Elle a abandonné le jaune, elle a dit que c'était ringue. Donc, elle est en orange, ça lui va bien. C'est pas pruneau d'Agen, ça vous va bien, c'est... le orange, ouais, c'était pas drôle. Je sais. Alors, tu vas donner un bain à Melba, après. Voilà, ça, ce sera fait. Il est peut-être mort. Ben ouais, j'ai cru, moi, qu'il était mort. Je pense pas, parce qu'on a déjà Saucisse qui est mouru, donc bon. J'essaie de faire attention à ces bestioles, maintenant. Ah, ça y est. Ah, ça y est. C'est con, hein, mais ça me fait triper de les voir s'éclater dans leur sable. Écoutez, pendant que l'autre, il écrit, hein, qu'est-ce que je fasse? Ah, ben voilà, il a terminé son petit bouquin. Super, tu vas pouvoir prendre à manger. Allez, au pipi. Ah, maintenant, tu... Ouais, bah tu iras là-haut. Hein. Tu pourras pisser là-haut. Sinon, il pourra pas. Enfin, il risque d'être gêné. Que sa fille lui voit sa bistouquette. Alors. Regardez comment elle gambade. C'est vrai qu'elle est... Hein? Un peu potelée. Vivement que tu sois ado, que t'ailles courir. Hein. Elle parle à papa, si tu veux. Tu veux parler d'art Tu veux parler un dessert, s'il te plaît? Bon, va te faire foutre, wesh. Ah! C'est quoi? C'est notre fils! Il est blond! Enfer et damnation! Qui a donc enfanté cet enfant du démon? Copper a envoyé une... Ah oui, d'accord. Copper... Oui, Copper! En fait, j'ai cru, en voyant la faute, même l'image, que c'était... Pulco. J'ai l'air punaise, ça remonte à loin. Et Toya a vieilli, il sera 1, 2, 3, méchant, super. Pénible ou bien je crois. Super. Viens voir mon petit bicton là. Des yeux bleus comme papa. Oh bah alors, et puis t'as mis ton mulet. Ça te va très bien mon chou, hein. Le petit mulet que les abonnés ils aiment bien. Si, c'est vrai, je sais que vous aimez le mulet. Le mulet, c'est super. Surtout quand tu ressembles à ton père. Vas-y, tu vas manger ça? Oh oui, moi je les serre par terre, les gosses. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non. Non, je sais pas.
Je crois que la... Lui, il va bouffer. Toi, t'arrêtes de parler. Allez. Tu vas donner un bain à l'autre fille. Attends, Lia, finesse, trois bambins en même temps. Quel bonheur. On peut voir la nouveauté. Oh non, mais là, on va pas regarder maintenant, on s'en fout. T'as fini de titiller tout ça parce que tu sais tout avant nous. Mais y a pas de nouveauté. C'est parce que hier, on a joué aux Sims 3 en live et que j'ai acheté, du coup, World's Adventure, là. Avec les... On a fait un voyage en Égypte, d'ailleurs deux même. Et j'ai découvert, c'est la toute première fois que j'ai jamais joué à World's Adventure sur les Sims 3. Et du coup, quand j'ai lancé mon Sims 4 tout à l'heure, il disait que j'avais quelque chose de nouveau. Mais c'est une lampe, là, avec le Plumbob. C'est pas incroyable, j'avais juste pas fait le rapprochement. C'est juste que, voilà, la fonction des extensions quand on a des Sims 3, bah ça te débloque un truc dans le Sims 4. Mais sauf que j'avais complètement zappé l'histoire. Un beau mulet. La place de l'enfance est par terre, bien sûr. C'est même à la cave. Attendez, ils servent pas à grand chose ces gosses, hein. Punaise, aussi est gros. Mais qu'est-ce que c'est que ces enfants obèses là? Tous les enfants, ils putent pas. Oh, la saloperie. Avec quoi? C'est très bien, ça fera une belle miniature, ça. Une belle miniature. Oui, voilà, ouais. Génération pêche commence déjà à me faire yèche. Et en plus, ça rime, c'est merveilleux. Oui, bah tu iras l'engueuler, ta gosse, tiens. Éducation, disciplinée, sévère, hurler. Allez, hop. Toi, d'ailleurs, pendant que je te tiens, tu vas désherber, tu vas tout vendre. Parce qu'il faut qu'il entretienne son jardin. Sale gosse. Elle a pas de jouets. Bah, elle non plus. Mais qu'est-ce que c'est que ces gosses qui ont pas de jouets? Qui c'est qui a tous les jouets? Papa, je suis sûre que t'as des jouets. Ouais, t'as des graines. Ah non, t'as pas de jouets. Ah oui, d'accord, t'as rien en fait. Attendez, on a reçu des cadales aussi. Non. Ah punaise. Ah, ah. Mais on a un coffre à... Oui, c'est ça, c'est juste dans le coffre. Oh là là. Et un dinosaure pour le garçon, avec un tricératops, un monsieur et une madame pour la fille. Allez. C'est des merdes, ils font un plan à 3 s'ils veulent. Oui, c'est genré. Oui, bah écoutez, je suis old school, moi. Ah, c'est trop bien rangé. J'ai pas l'habitude des maisons avec un coffre que c'est rangé comme ça, les jouets. La comtesse a du bon lait bien nourrissant. Ça, pas grave, ils vont courir quand ils seront plus grands. Hein. Alors, niveau compétences. Il a un peu d'avance sur l'écriture. On est tous les deux au niveau 8. Donc comme il fait beau, il va s'entraîner au yoga. On pourra mater en même temps. Pendant que maman s'occupera de ses trois amoureux. Il y a du boulot. Et puis ils jouent tous là, c'est bien, ils sont contents. Est-ce que t'as fini d'aller au pot, toi? Ah, t'iras après. Après, il faudra que tu apprennes à elle à dire n'importe quoi. Jouer. Voilà. Hein. Bah, y a du taf à faire, mon biquet. Sur le jardin. Qui veut des beaux pissenlits? Ah, niveau 3 de jardinage. C'est bien. Ah, c'est bien. Allez hop, nous on va mater, voilà. Allez, instant on mate la bête un peu parce que faut pas déconner. Instant vous allez maintenant faire les mêmes mouvements que lui. Moi je suis assise, hein, je suis obligée d'animer. Ouais, je peux pas écarter les jambes mais.
Pendant qu'on entend les gamins rigoler derrière. C'est peut-être le bug des cuisses qui affecte aussi les bambins. Peut-être. Ah merde, qui est mort ? Megumi. Non, non, je suis pas d'accord, Chamallow. T'as pas été triste pour elle. Elle était moche, en plus. Moi-même, faut pas déconner. Instant plaisir des yeux. Mais oui ! Bon, après, il est un peu habillé, quand même. Il faudrait qu'il fasse la même chose, mais en short de nuit. Ça, tu gères les bambinos. Bah, ouais. J'essaye. Mais il y en a quand même trois en même temps. Donc... Oh, oui ! Et encore un petit coup, là ? Waouh ! Pas mal, pas mal, pas mal. Franchement, pas mal. Ça, je sais faire, ça. Ça, je sais faire. C'est la seule chose que je sais faire, d'ailleurs. Souplesse, souplesse. beau gosse, hein ? Ouais, c'est ça. Penche-toi bien en avant, ouais. Pardon. Mets-lui une tenue de sport où on voit bien. Sur quel forum je peux poster la photo du Discord ? J'ai rien compris. Sur Discord. Sur quel forum ? Hein ? Ah ! Mais sur ça, sur général. Parce qu'il n'y a pas de truc... Un salon. T'inquiète. J'avais pas compris sur le coup. Sur ça, j'étais là. Un forum ? Comment ? Pendant ce temps-là, nous, on est concentrés sur Chamallow. Et puis j'ai un gameplay incroyable. Même sans les mains, je joue. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il va s'envoler avec une position pareille ? Ou est-ce qu'il arque des paix ? Ça pourrait être drôle, ça aussi. Genre, dans une position pas possible. Dans tous les sens. Et puis, le petit paix qui sort, quand même. Et merci Archibald Beat pour ton follow. Bienvenue à toi. Pardon, je suis vieille. Oh. Bah non, il est obligé d'être habillé un minimum, Paulinette. Ah, j'ai entendu un bambin qui se chie dessus. Bravo maman, tu leur apprends pas. Nous, on est une excuse, hein. On est à fond sur... Aïe, aïe, aïe. Oh, qui est volontaire pour lui masser le cou ? Pauvre bichet. Il sait pas encore tout faire. Hein. Plus de bambins qui crient. Oh le petit gars est parti dormir. Bon. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vas demander, toi ? Oh là, c'est tendrement. Oh, c'est moignon ! Jacqueline, t'as même pas fait le ménage ? Mais pour qui tu te prends, en fait, en vrai ? Si tu vas servir le dîner, tes enfants... Enfin, oh, des spaghettis ! Oh ! Ça va me donner faim, là ! Des bons spaghettis. Salut, Béatrice, comment vas-tu ? C'était moins lourd qu'il ne paraissait. Moi, je veux. Ah, la raclette, oh ouais. Un spaghetti raclette. Attends. Spaghetti bolo raclette. Non, c'est pas aussi, c'est possible ou pas si... Ouais, c'est pas mal dans cet angle-là aussi. Ah oui. C'est pas mal. Ah, parce que là... qui c'est qui s'est chié dessus, là ? Ouais. Bah lui, il va falloir lui apprendre. Hein. Mais il était dans le lit, puis finalement, il sort pour dormir sur le pouf. C'est un dé- on sait déjà que ce petit garçon va aimer les poufs plus tard dans sa vie. Hein. Mais pas les poufs comme ça, les poufs... comme ça ! Voilà. C'est un contrôleur, je dois vous abandonner, la connexion est en PLS. Mais c'est bizarre ça, Camille ! Comment ça se fait que t'as une connexion pourrie maintenant ? Mais des bisous. À bientôt. Qui c'est qui fait des bruits comme ça? C'est Roger? Ça va, Roger? Viens faire un bisou. Oh, merde. Ouais, il a eu peur. Il est passé à travers. Bah alors, Roger? Oh, bah alors? Mais tu es beau! Bah oui! Et tu es content, hein? Oh, t'es une star, hein? Pardon.
Les gamines, c'est l'heure de la bouffe là. Hop. Hop. Et lui là, bah lui aussi. Non, tu vas pas te chier dessus. Allez, tu. Maman, elle va. Maman, tu arrêtes. Tu vas donner à ton fils. Oula, le petit lag. Ouh. Allez sur le pot, à Toya. Parce que sinon, il va se faire dessus là. Allez, mon petit bichet. Oui, bah t'iras dormir après. Tu le fais ou tu. Non. Et tu vas te calmer, toi. Ou c'est moi qui vais te calmer, hein, Toya. Ouais, en deux clics, je te coupe tous les couilles et tout, hein. Oh, dis donc, je te transforme en fille, moi, s'il faut. Sur l'imitation pouf. Tout à fait. Oh, bah, tu sais, j'en ai côtoyé, donc... voilà. Après, c'est pas très compliqué non plus à voir sur Internet, hein. Tu prenais un avenir radieux, dis donc, à ce moment. T'as vu, hein. On sait pas, on verra. Salut, le voici, comment vas-tu? Ça, j'étais opérée hier matin. Eh oui, c'est vrai. Bah écoute, moi, ça va. On verra. On verra bien. Allez, mon petit bichet. Un gros pipi ou un gros caca, on s'en fout. Je ne veux pas. Et provocateur, non. Non, non, non. Personne ne me convaincra de le faire. Une grosse claque dans ta tronche, tu vas voir si tu vas pas le faire, ouais. Faut pas me donner des enfants. Faut pas m'en confier, hein. Sauf si vous les aimez pas. Voilà, dans ce cas-là, allez-y, hein, aucun problème. T'en es où, mon chou, là? Ah ouais, 8, 17. Ouais, 17, 18%. C'est pas fameux, hein, mon petit. En plus, tu vas rebosser après. C'était le week-end ou jamais pour mettre à fond tes compétences. Bon. Ça va être long, je crois, les deux derniers niveaux, là. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même fait les tremblements. Quand le Sims fait... ils ont du mal à tenir, j'aime bien. C'est bien foutu, quand même, le... Le chien a la tête en bas. Là, t'en as pas marre? Commence un petit peu. Oh là là! Attends, il va être épuisé. Allez, tu vas te faire un bon petit bain de mousse là, ça va te revigorer. Ah ah! Attention! Pas mal! Pas mal! Oh! Les chaussures qui repoussent. Il va s'endormir dans son bain. Oh! Tu te tais, toi! Morphale, va morveux là, viens chercher à bouffer. Oh, lui, je vais le mater, hein. Ah, oh, c'est un garçon, hein. C'est... Mais elle veut voir la bite de son père. Non, mais ça va pas bien, non. Viens ici. Maman. Hé, hey, maman, arrête. Arrête. Non. Bah, voilà. Bah, ouais, voilà. Salut la compagnie, salut YouTube, salut le chat, salut le chien, salut ma banderole. Préférée à Jean 21, boule. Hé, hey, coucou Marie, comment vas-tu? Alors, toi, tu peux aller pisser. Vas-y, va sur ton pot. Oh la vache. Toi, t'es fatigué, au lit. Allez hop, zou. Ouais, en plus, lui, il est pour bien, hein. Tabarnak. Alors, lui, il va mettre 10 ans pour bouffer, puis il va s'évanouir. Oh! Je t'ai entendu, comment elle s'appelle, Dalia. J'ai entendu le gros prout, là, dis donc, dégueulasse. Alors, ouais, je voulais lui la mettre au lit. Mais il va manquer un lit. C'est-à-dire que les... Oh bah, ils vont se démerder comme ça, c'est très bien. Un lit en plein milieu? Ouais. Ça passe. On s'en fout. C'est juste pour une journée, parce qu'après, elle va devenir enfant. Et salut, Louise, comment vas-tu? Il y a pas aussi livre bien-être pour apprendre? Ouais, mais bon. Bah après, tu apprends jusqu'à un certain niveau, après... Après, ça sert à rien, en fait. Je crois.
C'est quoi déjà le nom des gosses? Dahlia, Melba et Toya. C'est la génération des A. C'est Feng Shui, c'est ça. À côté des hamsters qui puent. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai pas vu qui c'est qui faisait ça. Non, je l'aurais castré. Ça va, mon petit chamallow? Oh, purée! Eh! Si tu veux, je viens te consoler dans ton bain. Hein. Pas de soucis. Je me forcerai pas. Attends, non, tu pouvais rester comme ça. J'ai l'impression qu'il a pris encore plus de carrure. Oui, moi qui suis en pyjama, moi je te le dis. Qui c'est qui a pas fini son assiette? Non, tu vas pas faire une sieste, Jean-Claude. Ouais, gosse qui... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh, il a besoin d'aller s'évanouir à 3 km, évidemment. Il n'a pas la force d'aller jusqu'à son pieu, mais de s'évanouir là, oui. Il y a des muscles qui l'ont poussé dans la nuit ou quoi? Mais non, pas dans la nuit. Il vient de faire toute la journée du yoga, donc c'est comme ça. Hein. Faites du yoga pendant plusieurs heures. Je sais pas, je pense que ça va... Bon, après, je pense que vous serez épuisé, mais... Moi, il faudrait m'amputer des mains parce que j'ai trop mal au poignet, mais voilà. Ouais. Pauvre Boubou. C'est qui Boubou? Salut Chancia, comment vas-tu? C'était quoi ce grognement là, chamallow? Qu'est-ce qu'elle fait elle? Vas-y, joue avec eux. Ouais, ils sont... Ah! Attention et activité niveau faible, marde. Tu vas lui parler aussi. Oh, Mohamed Marguez, viens là, qu'on te chatouille la saucisse. Tu vas la bouffer? On va s'affaire comme toutes les semaines? Oh, il est content, il aime bien l'école. Hein. Non, ça va. Activité, faible activité. Alors, tu vas border, pas à Bordeaux. Bah non, Bordeaux est plus là depuis longtemps. Attends, mon Jaco, tu vas me faire un petit pipou. Hein? Oui, le social, t'inquiète, ta femme arrive, ça va aller mieux. Et merci, Mamoun, pour ton follow, bienvenue à toi. Et tous les jours, on est à 2105, hein. À chaque fois, il y a des gens qui viennent, mais qui repartent juste après. Salut Mamouna. Salut Wapsi, comment vas-tu? Bon app Guillaume. Ah bah trop tard, il est tombé dans les pommes. On n'a pas le temps de finir de pisser. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais toi? Mais pourquoi ils sont tous réveillés? J'ai fait un cauchemar et je fais chier le monde. Et je chiale parce que je suis un gosse de marde. Oh, tu me saoulais. Ils étaient tous les trois en train de dormir et d'un seul coup, je redescends. Ils sont tous les trois réveillés, là. Oh. T'as ce burné. Lis une histoire, ils feront pas de cauchemar. Oui, tu crois de cauchemar. Tu crois que j'ai que ça à foutre. Il est 2h du matin, on va lire des histoires aux trois gosses. Non, mais va pas... Oh! Viens, ta femme, elle veut tâter, là. Putain! Ouais. Ah ouais, non, mais moi aussi, je veux tâter. Réveille-toi! Oh! Hé! Hey. Oh! Oh! Oh, oh putain! Oh, putain! Oh, oh! Oh, oh! Ah ouais! Ah, c'est le genre de chocolat que je boufferais bien, moi. Hein? Ah oui, je comprends qu'elle veuille tâter, hein. Ah ouais. Va tâter du choco. Du choco chamallow. Mmh. Même Kyle n'était pas aussi musclé. Ah, il l'était, mais un peu plus épais. C'était un peu plus épais des mucles. Sauf que je suis pas sûre qu'il va assurer, parce que...
Ici, il est très fatigué, donc je suis pas sûre qu'il ira jusqu'au bout. La veilleuse... Non, bah, ça marche. J'en sais rien si elle marche en vrai, Kikisi. Elle aime râler. Mais j'ai pas le temps de faire les histoires. Mais en plus, la plupart du temps, ça veut pas, parce que... Oh là là, le lit, il est pas bien mis, nanani et nanana. Moi, ça me casse les roubignoles. Je vais me mettre au yoga. Oui, Sean, mets-toi au yoga. Sinon, la batte de baseball qui existe pour les enfants. Oui, on peut leur donner un bon petit coup. Ah merde, il y a une explosion là, chez qui? C'est chez Roger, toujours le même. Une explosion chez Roger. Mais oui, la batte de baseball pour endormir les enfants, ça marche très bien. Bon, il y a une explosion, mais on arrive trop tard. Là, il fait mine de... Ah putain de gosse de merde. Ouh, je vais le foutre à la cave, lui. Ouh. Allez hop, dodo. Et je vous ai dit, il y en a trois. Hein. Ah lui c'est un... Oh là, regardez, il a déjà de la poitrine et... Vache. À 2 ans, il a déjà des nichons. La tienne, Elisa. La veilleuse, ça fonctionne. La prochaine fois, tu écouteras Tata Marie. C'est ça. Oh, c'est bientôt l'anniversaire de Cham 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 Chamalo. Alors, il a assuré ou quoi? Ah oui, ça va, c'était cool. Enfin, pour lui, c'était cool, pour elle aussi. Bon, bah, tout va bien, alors. Là, elle commence à sentir le fennec, là. Vas-y, va te laver la schneck. Laisse les gosses tranquilles, putain de merde. Viens là quand te... Hein? Ouais. Oh, 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 oh. Quel joli caleçon. Hein? Voilà. Mais va dormir. C'est-à-dire qu'il va bientôt être adulte. Tristesse. Bon, on est à nu, on s'en fout. On va juste changer de carrière, en fait. Hein. Ah non, j'ai pas envie qu'il soit tout vieux, moi. Qu'est-ce que je raconte? C'est... Ah. Il y a un gosse qui est en train de monter. Oh, vous me saoulez. Oh la vache. Mais allez dormir, bordel de... Oh, mais c'est pas vrai, hein. Non, mais les gosses, je vais finir par les enfermer dans des pièces de 2 carreaux. Avec 1 litre d'un. Ils pourront pas en bouger. Salopouine. Merde, j'ai laissé les... Oh putain, mais les pattes, elles sont pourries maintenant. Regardez-moi ça, tous ces déchets, là. C'est pas faire la vaisselle, elle. Tu me diras, ça sert à quoi? C'est bon, c'est bon. Et coucou, Banner, comment vas-tu? J'ai eu une tata Marie. Oh merde. Paquet, joli paquet. Bon, le paquet est pas très présent, mais bon. On va dire que je regardais le reste. Avec le petit bisou sur le boxeur à croquer. Bah oui, hein. Quand il est devenu ado, c'est ce qu'on s'est dit. Oh, on va lui mettre ça. Et puis après, quand il sera adulte, on va laisser tomber s'il avait un t-shirt. Pour profiter du spectacle. Bien sûr, quand il sera vieux, on le rhabillera. Hein. Faut pas déconner. Bah, il va aller bosser, mais... Ah la vache. Ça va, elle est mignonne. J'espère que ces gosses seront au moins réussis, quoi. Bon, après, tu feras le ménage, hein. Tu vois pas tout le bordel qu'il y a? Manger spaghetti. Non, tu jetteras. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais tu vas pas tricoter? Du coup, elle va pas bouffer. Oh, qu'est-ce que tu m'agaces. Mange ça? Les Sims. Il y a des fois... J'adore ce jeu, mais il y a des fois, ça me rend dingue. Vous voyez comme ces bambins sont aimés et choyés. Oui! Surtout qu'il y en a 3 en même temps. Allez, bombe émotionnelle, c'est ce que je préfère. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Non. Ah oui, là comme ça. Oh oui. Okay. Oh là là, quel joli caleçon. Il n'y a pas trop de fesses. Hein? Mais bon. Quand tu vois le reste, tu dis... Ça pas... Ah oui, non, non, ça c'est moins 5-6 quand même.
Enfin, c'est sûrement un fantasme pour quelques-uns d'entre vous, mais... Ouais, va te morfondre, comme ça, on s'en fout, on n'a pas besoin d'avoir une promotion. Maintenant, tu fais la vaisselle, hein, Jacqueline, là. Bon, c'est, je sais, ça s'appelle pas Jacqueline. C'est à cause d'hier, avec des Jacqueline par-ci, des Jacqueline par-là. Et ben... Mais voilà. Ouais, ah, il est là, le truc, ça, j'allais dire, mince. Toi aussi, tu vas pouvoir bouffer, et toi aussi. Allez, hop. Tout le monde à la bouffe, là, les gosses. Les factures viennent d'arriver, 1864. Ah, j'ai pas vu les droits d'auteur, combien ça a ramené. Allez, là! Rends-toi utile, un peu. Non, non, tu crois... elle croit, elle. Eh, elle croit qu'elle va faire du yoga. Bah, tu t'occupes après de nos amis les ronronges. Ils sont tous les deux en train de se rouler dans le sable. Salut Missyoko, comment vas-tu? Alerte, alerte, belle-mère au téléphone. Oh purée, paix à mon âme. Ah ben faut pas vous mettre en couple, là, vous serez tranquille. Hein. Ouais, qu'est-ce que je dis moi? C'est toujours des conseils pratiques avec Shirley, hein. Attention. Pas de soucis. Hein. Un beau costume, ça rajoute du charme en plus du muscle. Bah, je trouve que celui qu'il a... enfin, pour moi, c'est pas forcément mon truc, mais bon. Alors, est-ce qu'on fait la formation ou on offre cette opportunité pardon, à un collègue? Sachant qu'on s'en fout, en vrai, mais bon, on va choisir, pour le coup. J'imagine une petite danse à la Iowa. Ah, il ne maîtrise pas la simrumba, malheureusement. Bonne touche, Tondra. On prend la formation. D'accord, on est à 4. C'est tout. Formation. Formation, formation. Offrir. Ah, Tundra. Toujours contre courant, mais au moins tu as la générosité. Allez, on fait la formation. Gain de performance moyen. En même temps, on s'en fout. Ah, vas-y, elle pue. Ah. Écoutez, tu vas faire quoi? Tu vas... Moi, je préfère, parce que sinon, vous le faites pas jusqu'au bout. Donc, on a perdu la voix. Il faudra qu'elle redorme après, hein, Marina, la comtesse, parce que là, c'est plus possible. Elle va toute seule au pot. Mais qu'elle est mignonne. T'as pas fini de bouffer par contre. Tu vas finir ton bouffer. Bah ouais. C'est pas grave. Il lui reste 3 gouttes dans la couche. C'est pas un souci. Tu grandis quand toi? Ah, elle clignote. Mais quel bonheur. Quel bonheur. On va pouvoir faire le gâteau d'anniversaire. Oh bon, on en a déjà un. Mais c'est merveilleux. Bon, on va attendre que papa rentre du taf quand même. Bon, Jacqueline, tu peux aller... Non, mais c'est bon. Va pisser. Et après, t'iras faire une sieste. Parce que t'en as besoin. Et elle... Bah, elle aussi, tiens. Hop, elle. Tu veux... Ouais. Au lieu de courir dans le jardin faire des conneries. Je vous connais, là, les gosses. Hein. Et toi, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Toi, t'as des jouets, tu joues. Ouais, tu joues avec ton chat, c'est très bien. Voilà. Roger a faim. Mais elle vient de s'endormir, Roger! Tu pouvais pas réclamer avant? Tabarnak de Coris? De Siboué? Hein? Ah, j'ai cru que tu parlais à moi, Tundra, tu m'as fait peur, j'ai dit ça va pas, non? Un beau gâtal. Pas de soucis, Quentin, à bientôt! Pour l'instant, elle dort un peu, parce que sinon, on va nous claquer dans les pattes. Eh, c'est bon, on va t'occuper de Roger. Et de Merguez. Ouais, Merguez a très faim. Ouais, c'est bon, ils sont nourris. Tu retournes dormir, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Sakura. Mais on bosse, meuf. On pense ça, ils se morfont à mort, hein. Comme ça, ça baisse bien. Il revient à quelle heure? 17h. Ok.
essayer de faire l'anniversaire pour la petite. Ça, on sera bien. Et on pourra lui faire sa chambre. Oui. Qu'est-ce qu'elle vient faire, elle? On va faire pipi. Oh putain, elle sait pas y aller. Nah, attends. Oui, si tu veux. Attends, faire un câlin. Va faire un câlin et va qu'est-ce que c'est. Maman, tu te réveilles? Voilà, tu te réveilles un petit peu, tu te remets les idées en place et tu vas prendre la belle bas. Allez. Parce que tu l'as pas encore fait. C'est le fait, non? Mais t'avais pas fini de bouffer. Bravo, on fout partout. Saligote. C'est le fait. Et je t'ai dit de faire là, tu es chiante. Pourquoi tu fais pas ça que je te demande? Toya, y'a qu'à bouffer, wesh! Oh, c'est lui qui finit pas sa bouffe, là! Oh là là, il gosse. Oh, l'enfer! Des bambins, c'est l'enfer! Ah, ils sont mignons, hein! Je dis pas le contraire! Mais bon sang! Qu'est-ce que c'est chiant! Ah, ça y est, elle l'a foutu sur le pot. Papa est là! Papa est là! Mon bichon, il est triste! Oh non! Oh! Tu es beau et tu es triste. Ou alors, il a mis son doigt on ne sait où et voulait renifler tranquille. Non, ne parlez pas comme ça. Non, je suis triste. Il va faire une fête pour l'anniversaire de sa fille, évidemment. Et un petit pipi, hop. Et événement social, parce qu'on va pas attendre 10 ans. Hein, voilà. Parce que la petite, sinon elle va grandir sans qu'on dise ouf. Et puis après elle sera triste parce que gna gna gna. Voilà. N'hésite pas à appeler les gens quand t'es en train de pisser, hein. Non? Je suis sûre qu'ils aimeraient entendre tes exploits dans la cuvette. Et toi, la bouffe au lieu d'en foutre partout? Les gosses. Attends, non pas action, amical, regardez. Allez! Fête d'anniversaire, oui! Sim célébré, Dahlia, ouais! Invité requis! Ah, Jean-Eudes est dispo! Mais c'est merveilleux si Jean-Eudes est là, avec Sakura. En même temps, la famille est très limitée hein, dans cette génération, donc... ouais, on va inviter un peu au pif, hein. Ouais, Momo aussi, et puis Philippe, hein, parce que Philippou, quoi. Philippou, notre mannequin, quoi. Alors, ouvrir. On va mettre le gâtal. Tac! On va essayer de mettre des puddings un peu pour les invités. Les vieux trucs que Copper avait fait. Hein. Comme ça, ça se liquidera un petit peu. Et si les gens, ils ont faim, ils iront taper dedans. Oh, mais regardez la belle table d'anniversaire. Franchement, vous arrivez chez quelqu'un, vous faites... Oh, ça va, il y a des trucs à bouffer. Qu'est-ce que tu fallais faire à ta gamine? Ben là, c'est tendrement, ouais. Tu peux lui raconter une histoire. Mais... Faut peut-être t'habiller, toi, non? Ah, parce que je les ai pas invités, je crois. C'est pour ça qu'ils s'habillent pas bien, les enfants. Et je suis... Keblo, tenue. Changer de tenue. Alors. Allez, tu vas mettre ta fourrure. Coucou! Comment ça va, Sakura? Ouais, bah Sakura, elle a fumé de la bonne, hein. Ah oui, ça, oui, elle a fumé de la bonne. Ah oui, elle est aussi. Bah, elle va venir, je crois, je l'ai invitée. Je crois que je l'ai invitée. Demander conseil. Elle est en température fraîche. Qu'est-ce qu'elle a. Ah, elle a bouffé. Du chuc. T'es vénère, hein, mon petit biquet. Oh, feu de projecteur, ça fait déjà. Ben viens dès là les gosses.
montrer à tout le monde qu'on a été productif dans le lit, quoi. Trois marmots. Oula, oula, oula. Il y a une centipède. Mais pas boisson. Ah, mais ouais, mais parce qu'il n'y a pas d'alcool dans les Sims, sinon t'inquiète que mes Sims, ils seraient toujours bourrés. Hein. Non, non, mais toi aussi, tape dans le truc, là. Toujours pas mariée, hein, Sakura. Va falloir y aller, ma cocotte, hein. Il y a pas de musique non plus. J'avais pas mis de la musique la dernière fois. On a invité plein de monde. Il y en a que deux qui sont là. Ah non, voilà un autre. Qu'est-ce que tu es parti par? Mais oh, tu sais qu'il y a des pédos qui se baladent ici, hein. Elle est folle celle-ci. Ne demandez pas qui c'est, je sais pas. Il était dispo. Nous, on invite... Oh, putain! Oh, my God! Oh, bah, je suis pas sûre qu'il rentre à la maison, lui. Hein. Mais d'où t'as trouvé encore une assiette, toi? Comment ça se fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Non, mais... Hé hey. Il m'épuise, ces Sims. Alors, aidez à souffler les boujax, Dahlia. Ah oui, parce que là, sinon, on va pas finir. Sachant que l'anniversaire est nul à chier pour l'instant, donc... sinon, on n'y arrivera pas. Non, Sakura, c'est pas encore reproduit. C'est dommage, parce qu'elle a des beaux gènes, quand même. Eh, c'est notre mannequin de la dernière fois, hein. On l'avait publié sa photo, on avait fait des belles photos. Bon, arrête de papoter, toi, avec la terre entière. Il faut que je sorte les règles. J'ai oublié. Faut que je sorte les règles du Notsuberi. Attends, parce que là, il faudrait pas que je loupe l'instant le plus important de l'épisode. Notsuberi. Parce qu'il va falloir mettre les premiers traits de la génération de pêche. Donc forcément, si je les ai pas sous le œil, je sais pas comment je vais faire. Prune, orange, pink, pêche. Trait de caractère gourmand, paresseux, pitre. Allez, non. On va se marrer. Déjà qu'elle est en un bon point, alors si en plus on lui fout gourmand derrière, ça risque d'être sympa. Oui, Jacqueline, viens, c'est l'anniversaire de ta fille. Oh, chamallow. Merde, pardon, excusez-moi. Clac. Chamallow, le beau gosse, quoi. Hein, hein. Elle est contente. Oh, papa, il est trop beau, il me fait un câlin. Oh, j'ai trop de la chance. Vous les filles, vous êtes pas dans ses bras. Et moi, je le suis. Ouais, bravo, Dahlia. Nous, on est des radins, donc on fait des économies sur les... sur les gâteaux. Allez, wouhou. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On s'en fout, faculté comme ça. Je vais les faire au pif encore. Mais non. J'ai dit quoi, gourmand? Gourmand, pitre, paresseux. Alors j'ai pitre, paresseuse, gloutonne. C'était papy qui était glouton. Je regarde ce qui est dispo. Ah, gourmand, on l'a pas. Bah, écoute, tu vas voir pitre, du coup. Je sais pas pourquoi il est censé être pêche, ce truc, mais c'est pas du tout le cas, mais... Ouh, putain. Eh ben... Bon, ça va. Bah, ça va, les chouchous, hein. Pour l'instant. Ouais. Ah, y a du bidou, par contre, hein. Y a du bidou au rendez-vous, mais... Ah, c'est bien. Bah, tu sais, oui, tu vas pouvoir aller au pipi tout de suite, direct, comme ça. Mais il y a personne qui est venu pour l'anniversaire. Eh, hey, tu vas raconter des blagues, sinon, bah... Voilà, blague perso, et toi aussi. Ah là là, mon Dieu, ah, tu l'as pas entendu, celle-là. Oh, elle est trop forte. Non, pas Amiken. Non, pas Amiken. Drôle. Toc, toc, qui est là? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Lui, il veut pisser. Bon anniversaire, oh, Bibindom. Bibindom, c'est ça. Alors, la fin d'un extrait super pénible. Ouais.
Waouh. De toute façon, ah non, j'avais pas vu, on est déjà médaille d'or, ça va alors. Tranquille. Va falloir qu'on lui aménage une petite chambrette. Elle a bien mangé à la cantine, et... mais il n'y a pas de cantine encore. C'est ça le pire. C'est que la cantine n'est pas encore arrivée. Et faire du sport quand t'es enfant, en vrai, moi, j'ai pas. Hein. Même sur la télé. Hein. Il y en a, ils l'ont. Hein. Moi, je l'ai pas assise du sport. Mais est-ce que... Regardez la chaîne sport. Mais pour moi, ils peuvent pas faire du... Je sais pas, il y a un truc que j'ai pas. Mais si, moi, ils peuvent pas faire du sport devant la télé. Chamallow vieillit quand, bientôt? Je sais pas. Dans 2 jours encore. On a le temps. On va ranger le gâtin avant qu'il pourrisse. Ah, mais Jacqueline, elle aura du taf, hein? Elle va avoir du taf. T'as dit bonjour à ta tati? Dis bonjour à tati, hein? Oh, et elle la vient bouffer aussi. Qu'est-ce que c'est que ces gosses qui bouffent pas? Ah, et lui, toi aussi, viens bouffer. Allez hop. Après, c'est au lit tout le monde. Hein. Un suppôt et au lit! Ah, ça va, un de moins. Ça va aller mieux. Je vais pouvoir respirer. Tu as posé la question tout à l'heure, mais. Je pense pas que tu y aies répondu, tu comptes faire la suite. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Faudrait que je lise les règles un peu. Bah après tu me diras, j'ai fait les notes Sobéry sans regarder les règles de base. Alors. J'ai regardé la première génération, je fais « Ah c'est cool, allez je la fais ouais, !» Elle va être crevax. Il reste un peu de pain, allez go. Non, 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 tu restes là. Faire crac crac dans le placard. Après. Il y a encore des invités chez toi. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? Gna, 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 je suis sale. T'as besoin d'attention et ta soeur elle te parle, tu la regardes même pas. Ah ça y est. La relooking s'impose à ça, oui bien sûr. Ça c'est sûr. Le truc d'échelle pour les enfants, ça... non. Bah en vrai, ils maigrissent pas, tu vois. Ils font une activité... faculté motrice. Mais je pense pas que ça leur fait faire du sport. Dans la piscine? Ouais, mais là, on n'a pas de piscine. On n'a pas la place pour... Hein. Alors, on a beaucoup de terrain autour. Mais non, c'est pas à nous. Ah d'ailleurs, toi, ton jardin, mon petit biquet, viens tout vendre. Oh, regarde, ta femme, elle te console. Ah, je me sens mieux. Merci, chérie. Ah non, j'ai mal à la tête maintenant. Vas-y, t'approche pas, t'es moche. Oh là là, je pleure. Mais je reste beau gosse. Oh là là, je suis un drama queen king. Mais je reste beau. Oh là là, je pleure. Mais je reste beau. La fameuse glace régime. Ça va, ça marche sur les gosses? Sérieux? Va t'occuper de ton jardin, Jaco! Et toi, fais la vaisselle un peu. Cuisine! Alors, toi, tu peux remanger un coup. Lui, il faut qu'il pue. Enfin, il pue. Et toi, ma biquette, bah, t'es crevée, on va t'acheter un lit. Oh là, oh là! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la poubelle elle est par terre? Oh Cham. Ah Cham, t'as besoin d'une douche, allez. Oh la douche elle est dégueulasse. Tu vas me prendre une douche et puis tu vas être couché, va. Bientôt être ton anniversaire, on va bientôt changer de carrière. Son anniversaire est fini. Heureusement qu'on vit pas dans les Sims, hein, parce que franchement, vu le nombre d'assiettes qu'on jette.
Ça ferait vachement marcher le commerce de la porcelaine quand même. Sinon, manger que de la salade, c'est pas mal. Ouais, faudra. D'ailleurs, faudrait que je vire ça aussi. Ah, alors, on va faire une chambre... alors, bon. On va lui mettre là. Voilà, c'est la première, donc elle va avoir droit à une belle chambre. Les autres, ça va aller en... J'ai envie de remettre ça, c'est joli, je trouve. Hop! Ouais, privilège, tout ça, tu vois. On va y faire un lit. C'est mieux. Et alors, moi j'ai vu ça. Et je voudrais tester. C'est le lit anti-monstre. Qui est avec escapade. Et à savoir s'il est vraiment anti-monstre. Ça me soulagerait beaucoup. Ta-ta-da-da. Ben voilà, ça c'est pêche. Bah, tu peux mettre là, tranquille. On va te mettre une commode. Allez, tiens, ça. Voilà, ouf, bah là, c'est pas mal. Bon, ça gâche un peu, ouais. Faudrait que je mette la lumière ailleurs, en fait. Ou la lumière, là. Un petit bural pour travailler, pour faire ses devoirs, pour, tranquille. Alors, bural, pourquoi je cherche dans les tables, moi? Ouais, il y a orange. C'est joli. Ta-ta-la-ta-ta-la-la. Peut-être aussi des rédales. Ça pourrait fonctionner. J'ai mis quoi? Ah oui, oui, c'est rose. Ah. Bah oui, parce que c'est rose chez eux. Oh, mais il y a en plus. Oh, c'est merveilleux. Écoutez. Ah bah, je pouvais pas le mettre là parce que... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est horrible. Il y a une chaise. Et puis j'ai pas mis de Bedroom Objects. Oh bah tiens, t'auras ta... Oh, oh la chance d'avoir un bureau. Avec en face, t'as le paysage, quoi. Petit tapis, parce que qu'est-ce que serait la vie sans tapis? On se le demande. C'est moche. Est-ce que vous avez quelque chose... couleur? Orange. Ouais, on va rester dans l'orange. Ah bah oui, j'avais mis le... Ouais. Sachez que je vais l'attraper tout le temps. Ouais, donc non. C'est le problème des tapis avec la fac. Hein. Maintenant, tu les chopes tout le temps. C'est infernal. Ah, quel choix incroyable. Hein. Et ça? Ouh, c'est trop grand. Merci beaucoup Miss Noémie pour ton abonnement, 10e mois déjà, c'est incroyable. Des gros bisous à toi et un smiley boule, merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup. Mauvaise nouvelle, il n'y aura pas de concert de Céline Dion 2021 à Paris. Merde! Moi qui voulais absolument pas y aller. Oh, même sous la menace. Ah, je suis déçue. Je suis absolument déçue. Non, là, tu m'as flingué la soirée, là. C'est pas cool. Qu'est-ce qu'on va faire sans Céline? Ils sont René. Bah non, René, ça fait longtemps qu'il est parti, maintenant. Il y a aussi la chaîne EFI pour l'exercice. Tu cliques sur le sol, t'as pas une option. Non. Je suis pas du tout présente en ce moment, je soutiens toujours. Mais ça fait toujours plaisir, Miss Noémie, pas de soucis. La glace régime, faut pas en oublier car ils deviennent trop maigres. Ouais, c'est bien ça, c'est ce qu'on aime. Je plaisante. Bon, je vais. Ouais, mais il faut pas un certain niveau. Ah non, alors ça. Oui, bah Dahlia, elle ira au lit toute seule. Hein. Attribue un lit. Dahlia. Voilà, c'est ta chambre, c'est ton lit, c'est ton univers. Ah, c'est bien!
Regardez, j'ai fait des efforts par rapport à la génération hein Orange d'ailleurs, quand Copper et ses sœurs, ses frères et sœurs, eux, ils avaient à peine un lit. Là, ça fait déjà un peu plus univers de... Voilà, bon. Elle aura son petit lit, tranquille. Bon, et Jacqueline, tu vas dormir. Non, non et... oh, c'est pas vrai. Va pisser, va dormir. Laisse tes gosses tranquilles. Lui, il pue, ben, il pue, c'est bien. Puis quand il sera fatigué, il ira dormir aussi. Donc, Cham Cham. Sans crasse. Ou enfin, se décrase dans une douche bien crasseuse. On veut que tu chantes pour elle et nous. Comment? Voilà, maintenant que j'ai en tête l'idée de voir les enfants fondre avec la glace régime et voir la tête de Shirley. Je vais essayer alors. Pas de jouer pour la petite. Mais il y a déjà un coffre à jouer! Ici, il y a tout! Il y a 10 000 jouets là. Ah, j'en ai marre de cette obsession pour les bambins. Vous avez pas idée. Vous avez pas idée comme j'en ai marre, en fait. Hey, hop! Au pieu, tout le monde. Et alors que ça dégénère, 3, 2, 1, go. Ah bah les deux! Les deux, ils sont partis, les hamsters, là. On voudrait pas que ça plante et que je perde tout, hein. C'est pas comme si ça arrivait de temps en temps. Ah bah, on voit... Enfin, ils sont tous les deux là, hein, pour l'instant. J'ai pas fait pause au bon moment. Qu'est-ce qu'ils ont? Ok, oh, l'esprit de Kennedy est en train de disparaître. Oh, niveau de célébrité perdu, mon biquet. C'est pas grave. Tu t'en remettras. Pourquoi ça... Ah oui. Je sais pas pourquoi ça restait allumé. Après, la lumière est très jolie. Ah, Dahlia va déjà en cours. Oh là là, et toi aussi, il faut que t'ailles... D'accord. Il y a pas mal de choses à faire. Et les gosses ont dormi. D'ailleurs, je vais enlever les décorations, peut-être, non? Ouais. Et voilà. Viens. Viens ici bouffer. Tiens. Tiens. Viens manger là. Oh, nous va se faire plaisir aussi là. Oh, pop, pop, pop. Oh, j'y ferais bien ralenti là. Oh. C'est un Sims, hein, faut pas. Faut arrêter de fantasmer maintenant, hein, les gens là. Oh, dis donc, je vous vois, hein. Vous avez bavé. Si c'est pas pire. Ah oui, t'as un gosse qui pue, écoute, ça arrive. Hein. Alors, on va acheter les trucs de la glace. Ok. Et en plus, il y a en rose pour pas dénoter. Oh, c'est merveilleux. Après, ils vont faire que ça. Bouffer de la glace de la glace toute la journée. Préparer de la glace. Alors, vanille, pistache, pure perfection. Je vous laisse là, papy, à faim. Pas de soucis, mamie. Bon appât à toi. Et bon appât à papy, alors. Le jeu du docteur pour la petite aussi. Ah oui. On fantasme sur un tas de pixels, c'est fou, hein. Ça nous matrix un peu, hein. Être confiné chez nous, là, bah voilà. Hein. Oh la vache. Oh, mais encore plus grosse, hein, celle-ci. Tu vas faire de la glace régime, toi, tout à l'heure, hein. T'inquiète, hein. Tu vas la bouffer, hein. Ce sera tout pour toi. Et lui, il pue sa race. Et gros dégueulasse. Et il est content. Il pue, il est content. Ça me rappelle un peu Lord and Lady. Il est très content du puer. Ça, c'est... C'est un garçon. Ça me donne envie de glace. Salut, André Queen, comment vas-tu? Ce corps... Eh, il faut faire du yoga. Hein.
Il est content. Écoute, tu peux faire la vaisselle si tu veux, Jaco. Le croquant. Oui, ça arrive. Oh là là, tiens. Tu vas bouffer, tu vas manger aussi, toi. Maman va te laver le cul après. Donner un bain à Toya. Le pot est ajouté à son inventaire. Alors, toi, t'en as pas besoin, hein, Jacqueline. Hein. Sache-le. Hein. Les bambins, ils peuvent en prendre. Oh oui, en plus, ils peuvent en prendre. On va tester sur les bambins après. Oui, alors je vous entends déjà. Mais non, mais les bambins, ils doivent rester mains. Ils doivent rester dodus. Oui, c'est un jeu. Hein. C'est pour ça que des fois, on les tue pour le plaisir. Hein. Martial, Vivi, je sais pas si elle a vu. Comment ça? Tu lui as déjà dit. Alors, attends, quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Il est de plus en plus sexy, le cham-cham. Ah bah... Aïe. La garçon, il ne faut pas en aviser qu'elle devient trop maigre. Oui, j'ai vu. C'est ça que tu... Je sais pas ce que tu voulais dire, mais oui. Je l'avais déjà lu, le coup du trop maigre. Alors, bah écoute, tu vas te faire des amis. Du coup, peut-être que vous pourrez me partager des familles avec des enfants. Bien sûr, vous les faites beaux gosses et puis vous les remettez en enfants. Comme ça, moi, ils pourront les rencontrer à l'école. Ce sera plutôt pas mal comme histoire. Alors, on va fuir la responsabilité. Alors, j'ai vu le Titi se lever, mais je sais pas s'il va venir faire des câlins. Ah, il est tout beau, tout propre! Pourquoi? T'as pas payé les factures? Ah oui, on a pas payé les factures. Oupsie. Non, mais arrête avec ton verre d'eau, c'est ça qui l'a cassé. Counasse. C'est pour ça que je voulais ouvrir. C'est pas je voulais ouvrir, pas ouvrir, mais je voulais remplacer. Et j'ai sorti, ça tu peux manger hein, si t'as faim. Elle a mangé. Mais pourquoi tu joues pas toi? T'as 15 000 jouets. Regardez-moi comment elle se fait chier cette gosse alors qu'il y a 40 000 jouets dans la baraque. On a des Barbies et tout. Be human, héros de l'univers. Il est parti faire quoi lui? Je te surveille, hein, Jean-Guy. On peut tuer les bambins? Non. Ils sont... ils seront jamais... On peut pas les tuer. On peut tuer des enfants. Mais pas de bambins. Parce que les bambins seront automatiquement retirés par les services sociaux. S'ils sont en danger. En vrai danger. Au secours, on a créé un monstre qui veut refiler de la glace à tout le monde. Bah quoi? Est-ce qu'on se cache dans le placard ou on demande de l'aide? Ça pue la clope chez moi. C'est merveilleux. Vous m'avez vu fumer? Ah non, parce que je fume pas. Je peux plus jouer au Sims 4 depuis juin. Ah bah... Ça arrive. Je veux une de ces glaces qui font des kilos superflus en un clin d'œil. Pareil, Sweetson. Je pense qu'elle ferait elle aura un succès, mais alors... Mettre fin à l'obésité, ce serait... Voilà, tu vois, il y aurait des gens qui en abuseraient. Mais ça ferait tellement, tellement, tellement du business. Elle pourrait coûter 1000 euros le pot, que j'y claquerais 1000 balles, quoi. Je serais tranquille, moi. Demander de l'aide. Se cacher dans le placard. Coucou, Tom Pouce. Demander de l'aide, Ça pue, hein, c'est pour ça que... C'est un 3 avec demander de l'aide. Et un dans le placard. Placard. Non, ça marche pas. N'hésitez pas. Sinon, dans 3 secondes, j'arrête. 3. 2. 1 3 quarts. 1 et demi. 1 quart. Désolé, je suis un petit soum ce soir. Je crois que je suis 0. Bien fatiguée, agent 21. Bon, eh ben, c'est demander de l'aide. Voilà, vous avez pas répondu. Ah, il faut te coucher, Marie. Pas grave, t'inquiète. Qu'est-ce qu'elle... Je
sens que c'est mon jour de chance, c'est la convention geek, elle est en ce moment. Ouais, non, mais tu vois, on fout, moi. J'ai des gosses. Et elle a pondu 3 gosses, la duchesse, hein. Tu crois que quoi? Mon bel bas, qu'est-ce qu'elle a? Départ difficile. Viens manger. Viens manger une coupe de glace régime. Est-ce que il y aura peut-être un moodlet genre mais non, c'est pas les bébés doivent rester drôtus. C'est pour mieux les manger sur le barbecue. On va tester, hein. Alors, regardez bien, on voit bien que de profil, il y a un petit quelque chose quand même. Vas-y, mange ta glace. Et là... Alors, c'est bon ? Oh, elle a pas l'air de kiffer. Oh, c'est bizarre. Ça se mange vite, en tout cas. Je sais pas ce que l'autre, sa mère, elle a été faire dans le frigo, mais elle m'énerve déjà. Si... Hey, mystère, mystère. Oh, elle est mignonne quand même, hein. Et salut Camille, comment tu vas? Ouais, t'en avais à bouffer là-dedans. Alors, comment elle... C'est de la bonne, la Ben & Jerry's du régime? Attends. Aujourd'hui, nous faisons des expériences sur des enfants en même temps. Faut bien qu'ils servent un peu. Pour sûr, ça marche. Hein. Pourquoi? Oh! Bah oui, Toya a vieilli encore! Oui, t'as raison. T'as raison, Gaston, viens. Ah non, ça a pourri. Viens manger de la glace. Mais ils savent pas se gérer, ces Sims, hein. C'est un truc de fou. Hein. Pourquoi il y a de la flotte partout? Fancy. Comment vont les... Attention, niveau faible. Bah, tire à jouer avec les deux. Hein, mon petit biquet, elle est bonne la glace à la pistache? Ça te nourrit? Un petit peu quand même. Il faut bien que tu joues toi parce que la vache... Je sais pas pourquoi il meurt de divertissement comme ça, ça. Et pourquoi il y a des flaques partout? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a pissé partout dans la baraque là? Bon possible si tu es... Rembousé? Ah ouais, je suis d'accord. Glace miracle ou pas? Bah... Bof, hein? Je suis pas sûre, hein? On va essayer sur la grande sœur, c'est pas grave. Il y a petit frère qui en a pris aussi. La bonne glace régime. Si seulement on pouvait en faire autant dans la vie. Je vais le remettre au frigo quand même. Qu'est-ce qu'elle a? Oh là là, j'ai bouffé du sucre. Dégâts des eaux. Bah ouais, je pense que c'est ça. T'as plus le pistolet de Pepper. Ah oh, si, sûrement dans l'inventaire de famille, pourquoi? Tu peux les faire... Tu peux pas les faire maigrir. Bon, elle reste quand même... On peut pas dire qu'elle ait perdu un peu de poids, hein. Ça n'a pas l'air de marcher sur les bambins. La poubelle, quoi. Regarde-moi ça, mais elle fout rien de ses journées, elle. Hein. Rends-toi utile un peu. La duchesse. Je suis pour les gosses, moi j'aimerais pas être à leur place. Oh, mais non. On les aime. Sauf quand ils nous font chier. Parce que lui, en termes de bidou, il en a vachement plus quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il regarde la poubelle.
Je sais pas que c'était si intéressant que ça, une poubelle. Là, il fait un câlin, fait qu'est-ce que c'est, et babiller. Va t'occuper. Ouais, bah, t'es pas doué au niveau ordure, hein. Bon, on accélère un peu parce que. Gaz régime. Eh hey, va te prendre une douche, tu l'as mérité. Qu'est-ce qu'il fait lui? Na. Oui, vas-y, invite ta petite Juliette. Ah, t'as faim? Oh, comme c'est. Alors, c'est une Juliette. Juliette Vaughan. Vaughan, je sais pas quoi. Oh, merde, les yeux marrons. C'est dommage. Tu ne seras pas la compagne de notre fils. Alors, si t'as faim, tu peux inviter ta copine à manger un peu de glace. Prendre un cornet, ouais, vas-y, fais-toi prêt. En plus, t'as des zébrures. Hein. Bon, là, il n'y a pas photo quand même, on voit bien un petit peu la rondeur. Tu confonds avec les boissons. Ah! Oui, les sérums! Oui, oui. C'est pas le pyjama qui donne cet effet. Non, non, mais de toute façon, ils ont toujours un petit bidon, les bambins. C'est quand on prend des verres d'eau, maintenant, ça fait direct des flaques. Super. Sachant qu'ils passent leur vie à prendre des verres d'eau. Et merci toi Hardy pour ton follow, bienvenue à toi. Eh bien. Ying. Oh la vache, the méga cornet quoi. Ti. As-tu déjà entendu des preuves de motivation? Apparemment, des Sims sont emmenés dans un endroit isolé et doivent se battre royalement. Tu crois que tu aimerais participer à un truc de ce genre? C'est un petit peu un Hunger Games ça, non? Oh, tu pues, Dahlia? Qu'est-ce que... Ça te frise la tête, c'est ça que t'es en train de nous dire? Quelqu'un a fait ressortir le meilleur. Adore quelqu'un à proximité. Je crois que ça lui frise sa petite cervelle. Qu'est-ce qu'ils ont à couiner, les deux, là? Il n'y en a aucun des deux qui s'appelle Freddy. Badalam, pshh. Vous devez vous imaginer ce bruit. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais qu'est-ce qu'elle fout avec un verre d'eau dans sa douche, dans son bain? Mais ça va pas? Mais c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais il y a encore de la flotte, allez. Oh non, mon Dieu! Fera du bien quand ils seront tous enfants. C'est toujours une épreuve difficile à passer, la période bambin, c'est... Salut Alice, comment vas-tu? Justement, tu reviens au Sims 4. T'as apprécié la saison? Oui, bien sûr, ça va complètement. Comment vas-tu? Si vraiment tu y tiens, il y a aussi les potions pour maigrir dans les points de récompense. Ah oui, c'est vrai. Mais j'y pense jamais, moi, à ça. Allez, va te prendre une petite douchette rapide. Pour l'instant, elle a rien perdu du tout. 600 simflouz, mais qu'est-ce que tu es fort. Vas-y, si tu veux parler à ta sœur. Magnifique, il est beau. Lui, il a pas besoin de la glace. Prendra ce qu'il veut. Non, tu vas pas prendre le gâteau, Jean-Claude. Oh... Mais regarde, il reste du nigiri de Fougou, là. Mais elle est au téléphone, pourquoi elle m'envoie encore un message? Stupide. Mais toi, fais le ménage, wesh! Mais qu'est-ce que t'es que tes verres d'eau? Eh, ça suffit, moi j'en ai marre des verres d'eau. Attends, j'ai pas dévié. Il continue à me les prendre dans le frigo, ça commence à bien faire, cette histoire. Hein. Salut, mon chou, comment vas-tu? Salut, Kat Kiki, ça fait longtemps! Et coucou, Valouchkaya, comment vas-tu? J'ai mis un mode pour qu'ils arrêtent avec leur verre d'eau, j'en peux plus. Ah non, mais alors file-le-moi, Kiki Sim, parce que là, je commence vraiment à saturer. Hein. En plus, ça fout des flinques et tout, c'est bon, là, au bout d'un moment, merde. Hein. Toi, tu peux parler avec ta copine, là. Essayer de réconforter. Je suis pas sûre que ça ait marché. Hein. Ah, qu'elle est mignonne comme coccinelle. Dahlia, la coccinelle.
Eh, si tu veux, tu peux jouer un petit peu. Attends, tu peux même jouer avec émotion, ce sera mieux d'ailleurs. Boum! Allez, dans l'œil, évidemment. Dans l'œil, évidemment, ça ne marche comme ça. Ça va, mon petit? Tu es beau, hein? Alors, tu vas bientôt changer de carrière, mon biquet. Tu te remets bien. On en est où, niveau compétences? Que c'est tellement de trucs à faire. On est à 26% de l'écriture, 20% du bien-être. Ouais, je pense qu'il va faire un peu de yoga après. Non. Oh! Mais putain de merde! Je suis désolée, hein, la vulgarité, mais là, c'est bon! Tu te calmes avec tes verres d'eau! Et en plus, ça m'a cassé le chiotte. Oh, j'en ai marre! J'en ai marre! Hé, tu veux me vider la poubelle? C'est bon, là! Ouais, ravioli chinois légumes. Ah non, là, j'en ai ma claque, hein! Ça suffit! Mais pour moi, dans nos vies aussi, c'est notre passion sur la cultive à 80% du jeu, c'est ça. Ah vas-y, il otichi dans sa couche. T'as raison, tiens. Oh, quel enfer. Fais ta sieste, tu m'emmerderas pas pendant ce temps-là. J'ai pas l'impression que la glace a marché sur la petite... Non, je pense pas non plus. J'ai aussi un mode pour éviter de recevoir 40 coups de fil. Bah ça encore, ça me dérange moins, mais les verres d'eau, c'est bon, là, j'en ai ras le cul. Hein. Et ça m'éprouve, hein. Ça fait 1h22 qu'on est sur la game, là, j'en ai ras le cul. Oh là là, les vulgaires, Shirley. Oh bah ouais, putain, si vous avez pas un problème avec ça, vous... Hein. Allez, c'est l'heure de boire, t'as raison. Vive les verres d'eau, Loni. Allez, ça fait du bien. Hydratez-vous, hein, n'hésitez pas, hein. Mais n'en foutez pas partout comme dans les Sims. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah oui, elle est jalouse, c'est vrai. Allez, tu vas appeler à table. Ça, tout le monde va venir manger. Pire, c'est pas grave, on fera de la glace juste quand on sera ado. Non, en général, je les fais courir. Comme ça, au moins, ils gagnent un peu de fitness et tout, c'est bien. Et en plus de ça, ils courent pour vider leurs émotions. Ça fait qu'ils gagnent aussi en maîtrise et tout. Et ça, c'est bien. C'est pour ça que je les fais courir en général quand ils sont ados. C'est pour ça. C'est essentiellement pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Il est déjà venu vieux, lui. C'est quoi la bulle à côté des besoins? C'est, ouais, c'est les groupes et les clubs avec le... à la fac. C'est les groupes. Là, j'en ai pas. Pas de soucis, Aurélie. Des bisous à toi. Bonne soirée. Il faut 2 bols de glace en général pour les enfants. Ah! On réessayera alors. Bah regardez, elle a faim, hein. Ça creuse, hein. Des raviolis au chinois. Tout va bien. C'est normal. J'ai eu peur, j'ai vu un visage, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est sur sa salopette. Oh bah! On arrive au bon moment, quand même. On va pas se leurrer, hein. Oh, les Sims cannibalisent le nouveau DLC. Ah bah... Ce serait trop bien. Non, il y a déjà des mods un peu... un peu sur les bords quand même. Comme extrême violence et tout. Elle me fait trop rire cette photo, n'empêche. Je la trouve trop sympa. Franchement... Comme ambiance dans la maison et tout pour montrer un couple complice et tout, je trouve ça trop bien.
Sinon, comment vous allez? Salut Justine! Je t'ai pas dit bonjour? Je sais plus. Ça me fait penser, faut que je fasse mon yoga, moi. Ah ouais, tu fais vraiment du yoga, ça va? Justement, on est en train de baver sur Chamallow depuis tout à l'heure parce que... Oh, pff. Allez, le petit prout, là. Parce que ma Zette, hein, qu'est-ce qu'il est bien gaulé, hein, maman. Donc, on se dit qu'on va tous se mettre au yoga par ta voix de main. Salut. Salut, Maïli, comment vas-tu? Ah, je suis désolée, Justine. J'étais quand même... Moi, je me suis rattrapée. Ah! Allez, va t'occuper de tes plantes. Reprends un... Mais mange-toi! Je t'ai mis à manger exprès. Ton papa, il a pas faim. Papa, il veut juste pisser. Pipi et douche, hein, papa. Allez, il va se prendre un petit bain de mousse, là. Il a travaillé, tout ça. C'est compliqué, la vie. Oui, mon biquet, on t'est mouillé. Oh là là. Oh, mon chaton. Trop triste. Moi, ouais, ça va, Maïli, ça va. J'essaie de rester zen malgré les bambins. Et les verres d'eau. Georges, les étirements que je faisais depuis des années et qui se sont avérés être des vraies postures de yoga, mais je le savais pas avant. Oh, dis donc, tu dois avoir des beaux muscles, hein? Hein? T'es gaulé comme notre petit chamallow? Hein? Là, tu vois pas tout, mais tu vois que le haut. Hein. Vas-y, je te laisse admirer. À toi de nous dire, maintenant. Ah merde! Oh, bah, ça nous intéresse pas, alors. J'avais oublié tout ce rose, ça m'avait pas manqué. On te proposait une maison rose. Bah après, ça, c'est les goûts et couleurs. Et puis si ça te plaît pas, tu refais et tout, quoi. Je veux dire, c'est pas un souci, après. C'est vrai qu'il y a des gens, ils ont des goûts... Oh! Ils ont des goûts spéciaux. Lève-toi, toi. Oh! Mais oui! Regardez! Ça a marché! Ça va vite grandir, mais les verres d'eau, c'est peigné. Ah, j'en peux plus! Mais je ne peux plus. Vraiment. Et par contre, t'as pas fait tes devoirs? Viens dans ta chambre. Tu vas te concentrer, tu vas aller faire tes devoirs. Ah oui, tu peux faire de l'exercice. Vas-y, fais des abdos. Fais des pompes. Non, laisse ta mère tranquille. Ça suffit maintenant. Ah, d'accord. Branche de chèvre. Et fais tes devoirs. Après, c'est dodo. C'est trop bien la vue comme ça. Elle a trop une belle chambre. Je suis jalouse. T'as tout cassé! On se demande pas qui a pas fini son assiette. Hein. Va demander à ta mère à utiliser le pot. Qui c'est qui a encore... un éditeur. Je vous ai pas demandé un titre. J'ai complètement zappé de vous mettre un titre. De vous demander un titre pour son bouquin. Oh bah non, alors je suis tristesse. Alors, voilà. Ouais, t'as raison, tu vas pas faire le ménage. Va aider ta fille. Non, va aider ta fille. Va aider ta fille. Oh là là! Bon, on va aller jusqu'à l'anniversaire de Chamallow, hein, qui va pas tarder. Ah, il est bloqué dans les escaliers. Il n'y a pas plus bel endroit pour finir de manger ces raviolis chinois. Trop de travaux, double étage, tout à l'égout, tout à l'égout. Ah oui, d'accord, oui, non, mais ouais, j'avoue. Oui, mais bon, comme tu m'as pas dit ça, si ça s'agissait que des couleurs des murs, c'était pas trop grave, mais là, ouais. Mais oui, parce que nos enfants ont tendance à être un peu fat. Qu'est-ce qu'il a, lui? Chie dans ton pot, après on verra.
Voilà, le caca est sorti. Non, tu vas sûrement pas faire ça. Maman, elle va te mettre au lit. Alors, lire une histoire à toi. Ah, puis allez, ça fait des flaques et tout. Oh, ça m'énerve. Tais-toi! Va au lit! Tu vas te taire! Parce que d'habitude, quand je suis un peu virulente comme ça, j'ai mon chat qui est... Il croit que c'est pour lui. Alors que non. Comment vont les... Je vais jouer avec après. On va essayer, il y en a plus, là on fait qu'un seul donc. Allez, dors et tais-toi. Elle est déjà au lit, elle. Ouais. T'es sûre que t'as fini tes devoirs? Ah oui. Bah merci papa, merci maman. Ils ont bien travaillé. C'est bien. Toi t'as encore un peu de taf. Puis tu vas me faire la vaisselle. Le ménage. Voilà, eux ils vont bien. Elle fait le ménage. Voilà. C'est bien. C'est bien. La duchesse. À 2h30 du mat, c'est bien. Petit pipi, histoire d'eux. Ah, du bien, tiens. Hop, on enregistre avant que ça se réveille, avant que ça hurle. Du coup, tu veux pas tenter l'expérience du second bol dans les bambins? Ouais, c'est pas... Ah, au pire, on refera quand ils seront enfants, c'est pas un souci. Cham, 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 allô. Il va devenir... Oh là là, il clignote. Ah oh oui, vas-y, lève-toi. Oh là là. Ouf. Pardon. Un petit pissou, hein? Un pissou du matin? Chagrin. Pissou du soir, espoir. Et les gosses se sont pas réveillés de la nuit. Quel bonheur. Quel bonheur. Bon, Dahlia, il va falloir que tu te lèves, là. Qu'est-ce que t'as avec ta mère, là? Pourquoi tu penses à ta mère? Elle va faire pipi. Ah! Non, papa. Non, pas. Oh, ouais, c'est bon. Laisse ta femme le faire. Bah, écoute, tu vas faire le jardin, mon biquet. Allez. Tout vendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah voilà, vas-y. Puis tu feras du yoga aussi en attendant d'aller au taf. Voilà, pipi. Pipi manger, prendre tes restes. Un gâteau thé matcha, si tu veux. Oh, elle a tout bougé. Elle est absolument cradingue. C'est pas grave. Ah non, mon dieu. T'as pas intérêt à chialer, toi. Oh, je te le dis direct. Tu viens jusqu'ici. Oh, regardez comme elle a bien maigri. Je pensais vraiment pas que la glace régime aurait fonctionné sur... En plus, elle se regarde dans la glace. Ouais, belle gosse. J'ai perdu les kilos superflus. Bon, en vrai, j'aurais attendu... C'était pas grave, mais bon, comme vous m'avez dit que ça marchait quand même sur les bambins, enfin, sur les enfants, c'est pour ça. Tu vois, on va tenter, alors. Hein. On va faire des tests. Faut bien s'amuser en attendant de finir la génération. Bon, je vais mettre ça là. Vas-y. Voilà. Ok. Et elle dort, lui. Oh, carrément! Ça fait peur un peu quand même. Ah, moi, ça me fait peur, ça. Je me dis, moi, ces gens-là, ils sont pas normaux quand même. Comme toi, c'est juste des polygones. Oui? Mais c'est des polygones sexy. Ah. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Oui. Ok.
Vas-y, Dalia, pars à l'école, ma biquette. Fais-toi des potes. Oh, t'as fait pire que ça. Pourquoi tu trembles de la jambe quand, en faisant ça? C'est pas très très grave, hein, tu sais. Je fais cette position, je me pète le dos en deux. Tu sais faire le pont même 6 ans, je savais pas le faire. En vrai, je sais pas. Et là, vous savez le faire, ça? Ah, rien qu'à voir ça, j'ai mal. Le prout, là, qui sortait. Vous avez pas vu, non? Bon, tu te réveilles, toi? T'as des gosses à t'occuper, hein? Je suis étonnée qu'elle a pas fait de conneries, elle. Elle pue. Donc tu vas commencer avec un bain pour la petite. Alors, à chaque fois, je fais un bain pour Melba. Le petit frère, il dort encore. Ça va, on va s'en sortir aujourd'hui. Salut, Titi Chris. Tu me fais rire, ça fait du bien. Bah, tant mieux pour vous, hein, dis donc. Comme je dis toujours, vaut mieux rire que pleurer, hein. Ah, ça y est, c'est l'heure du taf. Ouais. Hey, mon biquet. Ah oui, si tu veux, tu t'allonges. Oui, ah, je vais te grimper dessus, là, oui. Ah oui, étends tes jambes comme ça. Oui, oui. Pardon. Allez, va au taf. C'est ta dernière journée, hein. Après, tu démissionnes. Promis, juré, craché. Ouais. Salut, beau gosse. Ah, ouais, tu t'amuses. Qu'est-ce que je m'amuse, moi aussi, dis donc. Oh. Je vais y aller, je crois. Je suis désolée. Salut, Bluepix. Je viens de découvrir ta chaîne. Quel est l'objectif de cette famille? C'est le Not So Berry Challenge, tout simplement. Donc voilà, Elisa, t'as mis... Enfin, Nightbot t'a affiché, grâce à Elisa, les règles du Not So Berry. Donc, c'est un legacy sur 10 générations. Et chaque génération a une couleur définie. Et des objectifs précis en termes de carrière, de points de compétences qu'il faut maîtriser et de choix de vie, entre guillemets. Du coup, là, nous, on est déjà bien avancé parce qu'on est à génération rose et les enfants de la génération pêche. Et comme tu peux voir, ça, c'était les anciens. Voilà, c'est la famille. Donc, on a commencé avec Pepper de la génération menthe. Ensuite, son fils Bordeaux de la génération rouge. Pulco de la génération jaune, Nuage de la génération grise, Lila de la génération prune, Copper de la génération orange, et nous sommes à Chamallow de la génération rose, et voilà. Et il nous reste donc la pêche, la verte et la bleue pour finir ce Not So Berry. Voilà, tout simplement. Donc tu vas discuter avec les collègues. Et comme tu vois, on a 3 enfants, parce qu'on a décidé d'en avoir 3, et pas plus, c'est déjà pas mal. Donc voilà, en gros, il en reste combien? Il en reste 3, bah vas-y, mange un coup. Le petit, bah, il va finir par se réveiller et manger, comme ça on aura la paix. C'est génial, le swag ultime. Ah non, c'est l'heure des squats, vous avez déconné. Alors, YouTube, il y a des récompenses de points de chaîne sur Twitch. Et là, pour 5000 points, eh ben, on va lui faire un cadeau, tiens. Il y a la récompense squat, donc je dois faire 10 squats. Donc j'espère que là, maintenant, quand vous regardez cette rediff, pareil que ceux qui sont dans le chat, vous allez vous lever et faire les squats en même temps que moi. C'est parti. Allez, on se lève, tous pour Danette. Alors vous ne me voyez pas les faire parce que je ne veux pas que vous voyez mon corps disgracieux. Mais je suis là. Donc, on écarte les jambes de la largeur du bassin. On relève les orteils, on bascule les fesses bien en arrière. Et 1. Et 2. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Et voilà, c'est bien, vous avez fait votre sport du jour. Du moins, faire semblant. Oh putain, toi je te vois venir là, tu lâches ce verre d'eau. Merci Kat Kiki pour ton sort.
pour tes magnifiques squats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gros bisous à toi, Ismaël et Boule. Merci énormément. Moi, faire des squats, mais t'as rêvé. Tu joues jeu ou tu joues pas, t'es pas obligé. Mais je les ai fait, ça s'entend. Je suis essoufflée. Non, connasse. Oh, 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 toi, je vais te tuer. Hein. Toi, je vais te tuer. Il me faut un mode là, j'en peux plus de ces verres d'eau. Et c'était censé être réglé ça. Hein. Insupportable. Hop, allez, ça. Après, tu feras le ménage. J'ai arrêté ma vaisselle pour squatter avec vous. C'est bien, Sean. Et deux de mes chats m'ont jugé. Sans voir s'il y en a que deux. C'est de mieux en mieux les squats. J'en ai fait 20 pour rattraper ces... Bravo, Marie. Après, vous n'avez aucune obligation, hein, en vrai. C'est pour moi, en fait, pour histoire que je bouge, entre guillemets, un petit peu plus et que je suis pas... sans arrêt, tout ça. Et puis, ça permet de faire des beaux petits... des petits goals comme ça, là, dans le chat. C'est rigolo. Allez, on fait le ménage. Et elle est obsédée avec son verre d'eau, hein. Tu fais le ménage. Ouh, purée. Merci, Merguez, dans les laboratoires Futurs Sim. Nous pensions devoir faire des tests sur des cochons d'Inde pour faire progresser la science. Mais Merguez nous a prouvé le contraire. Nous tenions à exprimer notre plus profonde gratitude envers Merguez pour nous avoir aidé à réaliser notre découverte majeure. Merci, Merguez. Tiens, tu iras pisser aussi. Non, mais elle, je dois le... Faut que j'ai le nez tout sur elle, quoi. Parce que sinon, elle va me faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils font, les deux, là? Ah oh bah ça va au niveau de son fringue là, il est presque dans le thème le petit. Mais son mignon. Ah, il a envie d'aller pipi. Oui, alors maman, je vais lui prévoir tout un truc parce que sinon elle va aller encore prendre un verre d'eau. Tu vas nettoyer. Voilà, et après c'est apprendre à aller sur le pot à Toya. Ah bah c'est trop tard. Ouais, il a pété, mais ça a pas vidé son truc. Bon, écoutez. Moi, si ça, c'est bon s'il apprend. Hein. Après, je suis tranquille. Hein. J'ai des affiches pour pouvoir répondre oui au sondage. C'est bien, Kikissim. Moi, c'est bien, vous le faites. Je vais avoir un boule qui chamboule cet été. Mais oui! Vous imaginez, il y a deux récompenses. Non, il y en a une ou deux, je sais plus. Non, il y en a deux par stream. C'est-à-dire que si vous êtes là et que vous les faites à chaque fois que je les fais, on peut en arriver à 20 par jour ou presque, parce qu'il y a un jour où je ne live pas. Vous avez un jour de repos le lundi. Il y a moyen qu'au bout d'un moment, ce soit payant. Après, c'est que 10, hein, donc c'est facile. Hein. Ça passe vite en plus. Le mode que j'ai pour les verres d'eau, c'est de Cool Spear. Ok. Je vais me le noter, ça. Notez-le aussi, hein, chez vous. N'hésitez pas, les verres d'eau, il y en a marre. Moi, je vais faire une manif dans les Sims. Hein. Et j'ai mon petit carnet qui est full, il est full rempli. C'est une horreur. Ah non, oh, je dis ça, il y a une page qui est... Mais il va falloir que j'en cherche un autre parce que... Bah, je dois en avoir, hein, mais voilà. Ok, c'est fait. Mais lundi, moi, je crois qu'il y a moins que j'en ai fait aussi en plus. Soit lundi ou hier, je m'en souviens plus. Hé, hey, je la surveille. Toi, tu te fais des amis? Si tu veux. Oh là là, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas possible, c'est gosse! Insupportable! Insupportable! Conne va. Voilà, il est content, il a fait caca. Il est content, il a fait caca. Allez, tu peux aller jouer. Vas-y, t'as le droit. Ah la vache. Et c'est du boulot. Hein. Et avec ses verres d'eau. Elle me saoule. Je sais pas.
pas, si tu te fais chier, fais du yoga, t'as raison. Je viens t'autoriser ça. Bon, ça, c'est pour les garçons. Ah, bah, désolé, elle est pas trop, trop sexe. Si, ça change quand même. Elle a perdu 40 kilos. Alors, tu veux manger un truc? Encore du gâteau? Bah, c'est bien. Tu vas regarder la télé. Tu rentres de l'école. Tu vas regarder la télé. Et lui, il va bientôt vieillir aussi. Hein. On va faire la Numba quand il rentre. Il y a Nani qui veut des squats en anglais. Ah non, mais par contre, quand vous le faites en même temps, c'est super relou. Hein. Il a arrêté de modder il y a quelques mois, donc certainement ne sont plus mis à jour. D'accord, ok. Je vais voir. Alors, so, now I have to talk in English for 2 minutes. I'm sorry if you don't understand. Oh, look at this! It's exactly the same that we have done yesterday in The Sims 3. Because I bought this expansion pack and I totally discovered the Egypt-like world and the adventures. And yes, there was a mummy. Yes. And we fought with her and we lost. So. And but it was very good. And if you want to see more Sims 3 adventures in France or China, come on Twitch and we will do it in live. I think basically I would like to do a best of this live, so I have the live in my computer, and if I have time, if I am motivated, I will do the best of, and there will be the video on my YouTube channel, of course. So you're done with yoga and you take a shower please, because you're schmotting. So I will do only the 2 minutes English and then the squat, because I don't do anymore in same time, because it's too much. So sad I missed yesterday live. So yes, but there is you can see it again. I don't know the word. You can see it again. It's on. Yes, you can see it. It's only yesterday, and I didn't delete it. So yes, Jacqueline almost burned yesterday. Yes. Oh, there is the no, no. I don't want to see it. No, no. Hey, Shamalo is back. Shamalo is back, and we're gonna have a cute birthday party because it's gonna be adult. Yes, like in Phasmophobia. Okay, I don't know if the 2 minutes are gone, but I think so. So I do so. Oh, you're sweet, Evelyn. Thank you. Oh, 1, 2, 3, 4. Go squat. Yes, 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 yes. Il va épicer. Je sais plus quoi. J'ai pas de minuteur. Faudrait que je m'en fasse un. Que j'en ai un. Tiens, tu te fais chier, toi. Tu fais la vaisselle aussi. Il va pisser et puis il va appeler. Voilà, événement social. Allez, on se lève tous pour les squats. C'est parti, mon zizi. La même histoire que tout à l'heure. Écartement des jambes. Les orteils en relevé pour que vous puissiez bien basculer vers l'arrière. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ouais, je suis allée plus rapide. Hein, parce que, à un moment donné, il faut pas passer mon temps à faire tout ça. Oui, je cache. Je cache la misère sous un plaid. C'est bon, je suis débarrassée. Non, pas... On va pas faire un mariage. C'est vrai qu'ils sont pas mariés. That's it. They are not married. Yes. Ok. Tout, 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 tout. Ah, qu'il est beau le chamallow. Et elle vole. Oh là là, je suis invitée à une partie. Partez, comme on dit
Québec. Bon, t'as toujours un look de merde. Mais ça va. Tu vas nous cuisiner un truc, toi? Servir le dîner. Allez, ce sera la fête du prout. Tu vas nous faire des haricots saucisses. Cham, 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 allo. Ah, ben voilà, il y a ton pote aux cheveux roses qui est là aussi. Se moquer des gorilles et tu vas lui faire une petite blague parce que qu'est-ce qu'on se marre avec toi, dis donc, Chamallow, c'est incroyable. Ah, bah voilà, Jean-Eudelin. Oh, quelle belle cheveux. Oh là là, quelle belle veste. Quelle belle veste. Et Ivy aussi, bah c'est bien. Il y a plus de monde qu'hier, dis donc. En même temps, anniversaire d'un bambin, on s'en fout, quoi. Ah, tu me dis quand c'est fini? Bon, bah. C'était pas fini, alors. Ah si, c'est bon. Salut Anne, comment vas-tu? Je suis face à trois chats me jugeant. Mais c'est pas grave, je t'en fous. C'est eux que tu vas juger parce qu'ils se bougent pas, ils se bougent pas la nouille, tu vois. Que ça craint. Et viens. Oh, c'est... Et qu'est-ce que c'est que cette réunion encore dans les... Ah oh bah ouais. Ah oh bah carrément. Oh là là, non, non. Non, non. Alors du drama encore là. Non, 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 non. Oh là 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 là. Oh là là. Bah oui, la meuf, elle se tape à son meilleur bain chez nous, quoi, tranquille. J'ai fait 30, je suis Motive Mini Wave in Celebration One Me. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, Chantal. Ok, Marcel. Oui, Maïlis, après le live, après notre soberie, on va faire de la construction sur la maison du Legacy. Mais il faut vite que je le finisse parce qu'on est à 1h52 déjà. Avec ces conneries de squat, là. T'as fait à bouffer, toi? Vas-y, ramène tes trucs saucisses ici. On va ouvrir, on va mettre le gâtal. L'autre là, d'où elle se tape un bain, et vous en connaissez des gens, ils sont invités chez quelqu'un et puis ils se disent, oh attends, moi je me fais un bain. Minuscule rongeur, grande aventure, merguez a pensé à vous. C'est vrai, je vous ai ramené une carte postale. Oui, la carte postale. Oh, de Champ les Sims. Non. Incroyable du cul. Mais on l'avait pas déjà? Nia 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 si esti inapproprié. Ouais, bah non, on peut pas lui dire. Ah non, c'est une nouvelle rare avec les petits hamsters. Chant les Sims qui est donc sur les Sims 3 World Adventures qu'on a live hier et qu'on va refaire. J'espère que YouTube appréciera. Après, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde, donc ça va. C'est bon, mon petit chou. Ah là là. Ouais. Oh là, ça descend tellement vite. T'es plus gêné. Allez, tu peux souffler les gibouches. Les bougiches. Attends. Mais on veut te regarder souffler les bougies, nous. Tu rigoles ou quoi? Allez, tu vois, je l'ai vraiment pris au dernier moment, quoi. Ça a failli être la débandade. Mais que le beau! Le chamallow! Happy birthday, Cham Cham! Happy birthday, Cham Cham! Happy birthday, chamallow! Ouais, je chante mieux que vous, moi. Waouh, qu'il est beau! Qu'il est beau dans toutes ces petites lumières! Ouais, il devient vieux. Il commence à avoir des cernes et tout. Hein. HB. Non, ça va, il reste sexy quand même, hein? Ouh, les cotillons! Ouais! Bon anniversaire, chamallow! C'est ça. Je vous vois, vous, voilà. Allez, où elle? Elle est obsédée avec ses gosses. En même temps, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Tu vas remettre les boujax? Parce que le gâteau, on va le garder. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est lui?
Ouais, et regardez, il regarde Sakura, il fait « Oh, qu'elle est belle !» « Ah, oh, je l'aime. Ouais, il pense à elle, hein. Attention, hein, ça rigole plus. » Alors, on va ranger le gâtal et tu vas appeler à table les proutes-proutes, là. Ça va être prout-party. Merci, Anne. Merci tout le monde pour Cham-Cham. Bonne nuit, Valouchkaya. Moins de gens à faire les squats. Ah. Bon, ça va, c'est que 10. Alors, qui aura l'honneur de péter ? Et du coup, on pourra lui faire faire sa démission. Oh punaise, elle a pris de la bonne aussi. Ah, oh, ça claque les portes pour changer, hein. Prout caca caca caca. Ah non, je m'attendais à ce qu'il y ait tout le troupeau qui passe, mais... Bon alors, Sakura, tu te maries quand à Jean-Eude? Toujours pas mariée? Tu deviens vieille fille, hein? Lol. Pas de soucis, Céline, j'espère que tu as bien dormi quand même, que je t'ai pas trop réveillée. Des bisous à toi, à demain. Déjà, pareil, on fait pas de l'ordinateur quand t'as des invités, Jacqueline. Oh ! Ah, tu me diras pour une fois qu'elle mange pas des... qu'elle va pas chercher un verre d'eau, ça va. On va pas se plaindre. Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Eh ben, elle est fatiguée, ben, tu vas dormir. Lui, qu'est-ce qu'il veut ? Eh, va sur le pot comme un grand garçon et après t'iras au lit. Et toi, par contre... Ah, ça y est, ça pète. Ça y est. Ça commence. Oh, je fais même pas attention, moi, et j'ai... Ça pète. Je t'ai dit, va te coucher, Melba, ça suffit. Et lui, il fait, ça sent bon, le prout, hein. Hop, là, un prout encore de Sakura. Ah, encore un prout. C'est prout parti. Tu peux faire le vaisselle aussi si tu veux. Alors toi, avant qu'il y ait du drama, tu vas prendre ta douche là-haut. Et après, tu vas aller dans ta chambre, tu vas faire tes devoirs. Il est 21h, bientôt aller se coucher. Ça c'est fait. Toi, tu vas démissionner. C'est pas moi, hein, c'est le jeu. Non mais bon. Ça suffit, hein. Elle a dit Devour, j'ai pas entendu. Ah, oh, putain, ça arrête pas de péter, c'est dégueulasse. Ouais, démission. On démissionne. Oh, il va aller jouer avec les petits hamsters. Amsterdam. Ouh là là, il a faim, Roger. Allez là, faut que tu lui... Vas-y, tu vas leur faire tout. Tu vas lui faire leur faire la totale. Oh mon petit piquet, t'as faim, Roger. Oh, excuse-nous. Il sait pas, il dit oh, j'ai faim, mais je veux jouer aussi. Il va te mordre. Non, ça va? Non, ça va. Ah, si, si. Ah, si, 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 si. Punaise. Saloperie. Je suis même endormie avec la lumière debout depuis 5h30. Bah oui, je sais bien. Mais bon. Repose-toi bien, Céline. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, ah ouais, non, c'est pas la bonne. Arrête! Mais putain, ils arrêtent pas de péter comme des porcs. Eh, tu fais le ménage, toi! Toi, tu fais tes devoirs. Et après, t'iras au lit. Ah, elle m'a cassé la douche. Oh là là! Bon, au moins, vous la changez et elle est toute propre après.
Oh, il a une voix, lui. Oh, chamallow. Bah, chamallow, bah, tu vas en profiter. Tu vas aller prendre une douche aussi. Et puis, dodo. Mais t'as pas mangé, toi? Mais vas-y, mais mange tes haricots saucisses, hein. Arrête avec les... Ah non, c'est elle, mais à chaque fois, je focus. Je crois que c'est Marina, mais c'est pour Marina. C'est Sakura qui fait le ménage en même temps. Elle a vu que Marina, elle savait pas gérer une maison. Ouais, enfin, Marina, elle a eu 3 gosses, hein, Sakura. Toi, t'en as toujours pas, hein. Ça se passe bien. On est à 2 heures. Je pensais qu'on ferait moins. Je vais accélérer un peu. Ouais, mais si t'en fais un par un, Germaine, on va pas y arriver. Hein. Allez, salut tout le monde, bonne nuit, rentrez bien. Allez, et en plus un beau petit prout pour finir. Ah, ça y est, allez go, va te coucher. La duchesse. Ah là là, et je mets sur pause et j'enregistre et je remercie Niesvi pour son follow, bienvenue à toi. Et on se quitte là pour ce live et pour cette rediff. Merci à YouTube d'avoir regardé cette rediffusion, se revoit la semaine prochaine pour la suite avec la nouvelle carrière de Chamallow. Et les gamins qui continuera à grandir et mon énervement qui continuera à grandir aussi. Allez, je vous fais des bisous, à la semaine prochaine, à très bientôt, ciao.